vierge. Chaque jour est une quête. Des mots glissés se défendent face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Ça suffit! Et arrêtez, oui! Laissez-moi tranquille! Pourquoi vous descendez pas vous battre à la loyale? Quelle drôle d'idée tu as là! On s'amuse, c'est tout! Quelle bande de peste! Vous faites moins les malines, hein? Est-ce qu'elle recommence à t'embêter, Rana? Oui! C'est parce que je suis trop gentil. Je n'ai personne pour me défendre, moi. C'est pas vrai. Il y a... moi. Stupide singe. Arrêtez ça. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Ne t'inquiète pas, Rana. On va leur donner une bonne leçon à ces singes. Mais d'abord, il faut que tu apprennes à garder ton calme. Quoi, mon calme? Mais je suis très calme. Retire ça tout de suite. Retire ça tout de suite. Peut-être que je n'ai pas vraiment bon caractère. Tu sais quoi? On va faire équipe, toi et moi. Et si les singes reviennent nous embêter, on leur fera leur fête. Qui a fait ça, hein? Désolé. Je n'ai rien. Il n'y a pas de mal. Tu vois, Rana, tout le monde ne cherche pas tout le temps à t'embêter. Rana, je t'ai juste demandé de creuser un trou, pas de me donner un bain de boue. Qu'ils sont mignons tous les deux, regardez-moi ça. Un petit homme sans poils et un gros sanglier tout poilu. Retire ça, retire ça. Retire ça. Non, Rana, ne fais pas attention à lui. Oh. Qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux? On dirait un piège. Oh, un peu plus bas, je n'arrive pas à les prendre. Et maintenant, amusons-nous un peu. Hey, vous là, les trois cervelles de banane. Quoi? Tu oses troubler notre sommeil, petit homme? On s'en fiche! Vous pouvez pas nous attraper! Rattrapez-les, mes sœurs! Ne les laissez pas s'échapper! Stupide petit homme, stupide sanglier! Vous n'êtes pas assez malin pour me piéger, mais moi si! Pris à leur propre piège. Avec une chasse aussi facile, Shere Khan va se régaler. Comment a-t-on pu se faire piéger par Masha et ses sœurs? Mowgli, ça sert à rien. On ne les battra jamais, elles sont trop fortes. Ces satanés singes passent leur temps à me faire des histoires et à se moquer. En plus, j'ai pas d'amis, je suis tout seul. Mais non, arrête. Moi, je t'aime bien. Et puis, je suis ton ami. Vraiment? Tu es sérieux? Bien sûr, Rana. Et tu peux compter sur moi. À partir de maintenant, on va être des super copains, toi et moi. C'est vrai? Comme des meilleurs amis? Bah, bien sûr. Bon, super copains, il faut qu'on trouve une solution pour sortir de ce trou, maintenant. On regarde, on dirait les ruines souterraines des grottes froides. Oh. Oh. Un
passage secret. Tu avais raison, Rana. On va pouvoir s'échapper par ici. Allez, venez, dépêchez-vous, avant qu'il ne s'enfuie. Tu as dit que le petit homme était dans un piège chacal. Une chasse facile, hein? J'espère pour toi qu'il est dans ce trou, sinon c'est toi qui me servira de repas. Oh, il y sera. Enfin, j'espère. Oh, voilà, je vous avais dit de vous dépêcher. Ils sont allés dans les passages secrets sous les grottes froides. Et on va se lancer à leur poursuite. Cher Ken, les enfants. Maman! Cher Khan est en chasse, restez là. Je ne laisserai personne faire du mal à mon meilleur ami. Meilleur quoi? On sait tous que tu n'as pas d'amis. Je ne m'approcherai plus si j'étais toi, cher Khan, à moins que tu veuilles me défoncer dans les fesses. Rana! Non! Ne fais pas ça! Tu appelles ça une chasse facile? Je vais t'en montrer, moi, une chasse facile, chacal! La chance était de votre côté cette fois. Mais soyez prudent, elle peut aussi se retourner contre vous. Je ne sais plus quoi faire, Mowgli. Peut-être que je ferais mieux d'abandonner. Quoi? Ne me dis pas que tu vas te laisser embêter par ces singes. Ils n'arrêteront pas. Peut-être que j'ai mérité d'être leur souffre-douleur. Non, attends. On va pas se laisser faire. Il faut qu'on leur donne une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Et on le fera ensemble. C'est d'accord. Et ensemble, on va réussir. Bien le bonjour, Macha. Hey, comment vous êtes sortis de ce piège? Comment osez-vous? Rattrapez-les immédiatement! Un imbécile a laissé traîner de la nourriture. Hein? Oh. Attendez, oh non, oh, c'est encore un piège. Ces fruits sont recouverts de sève, Macha. C'est magique, ça colle tellement qu'on peut plus les lâcher. Tu vas me le payer, petit homme. Faudra d'abord nous attraper. Ne les laissez pas s'enfuir. Vite, rattrapez-les. Plus vite, plus vite! Allez, plus vite que ça!
On se retrouvera, petit homme. Merci encore, Ati. Oh. Tu devrais être plus prudent, petit homme.